On commence par traiter le bas de la façade. Il faut pour cela poser un revêtement bicouche béton polystyrène sur une hauteur de 20 cm. Reportez la mesure de chaque côté de la plaque posée, face polystyrène contre le sol, puis tracez la découpe à la règle. Découpez la partie béton à l'aide de la meuleuse et terminez le découpage à la scie égoïne. Déposez un cordon de mastic sur la plaque, côté polystyrène, à l'aide du pistolet. Emboîtez successivement les éléments et on appuie pour qu'ils adhèrent parfaitement au mur. Reproduisez les mêmes gestes sur toute la largeur de la façade. Il faut maintenant tracer des repères sur toute la façade pour délimiter la pose de l'ensemble de l'installation et l'emplacement des équerres. Pour chaque ligne, on utilisera la même méthode. Commençons par le bord du lieu de pose. Matérialisez la première ligne avec un fil à plomb, puis tracez un repère. Plantez un clou à béton, accrochez un cordeau à tracer. Déroulez le cordeau sur toute la façade et claquez-le. La première ligne est tracée. La limite du lieu de pose étant tracée, il va nous falloir réaliser d'autres lignes tous les 60 cm pour repérer l'emplacement des équerres le long de la façade et à 10 cm de chaque côté des ouvertures. Pour les marquages courts, comme au-dessus des fenêtres dans notre cas, il est plus pratique de réaliser les traits avec un niveau à bulle. Lorsque tous les marquages sont reportés, votre façade est prête pour la pose des équerres de fixation. Nous allons maintenant poser des équerres. Elles permettront de maintenir la laine sur le mur, mais aussi à fixer les tasseaux qui supporteront le parement de finition. Il faut poser les équerres régulièrement sur les lignes précédemment tracées à 10 cm des extrémités avec des équerres éloignées de 1,35 m maximum. On réalise une première marque sur un trait à 10 cm du chaîneau. À l'aide de l'outil de mesure, déportez l'équerre du trait de manière à ce que les tasseaux puissent passer au centre du trait de cordeau. Marquez les points de perçage. Percez avec un foret adapté. Enfoncez la cheville au marteau, puis fixez l'équerre avec une vis à l'aide de la visseuse. Positionnez les équerres suivantes en quinconce sur la façade et dans le même sens en bordure de façade et autour des ouvertures. Pensez aussi à placer au moins 2 équerres par ligne de pose. Vos équerres sont maintenant posées. Sur les bords de la paroi, il faut poser un tasseau contre le mur pour permettre la fixation du retour. Utilisez un tasseau à la bonne longueur, plaquez-le contre le mur et l'équerre et fixez-le à l'aide de vis à bois. On peut maintenant commencer la pose de la laine de verre. Après avoir mesuré la longueur entre le chaîneau et le bas de la façade, ouvrez et déroulez un premier rouleau. Reportez les mesures et coupez le lait à l'aide du coupe-laine. Présentez le lait sur la façade en partant du haut. Repérez les équerres sur la laine et faites des entailles pour faciliter leur passage. Embrochez la laine. Il faut maintenant placer les rosaces qui vont permettre de maintenir la laine contre le mur. Tracez 2 marques sur la laine à 10 cm du haut du lait. Percez la laine et le mur à l'aide d'un foret adapté. Vous pouvez maintenant glisser la rosace dans le mur au marteau. Pour le reste du lait, posez une rosace tous les 80 cm environ. Lorsque votre lait borde une ouverture, utilisez le coupe-laine et découpez-en le contour. Pour couvrir le dessus et le dessous de la fenêtre, mesurez la longueur à couvrir, embrochez la laine sur les équerres et fixez toujours 2 rosaces minimum. Continuez la pose sur toute la façade de la même manière. Votre isolation thermique extérieure est maintenant posée.